Hello YouTube, we are back on Mario Galaxy 2 and I have to speak English like always because Gigit is in the chat and she bought a Jean-Michel Avou. Yeah. You don't have to laugh, Kiwi, because you have to speak in English in the chat too. I'm not the only one who have to speak English, so you'll do it too. Right now. Mario, a letter from the princess just arrived. Dear Mario, I love you very much. Here, something for you. Oh! Five mushrooms make you laugh. Yes, yes. I don't care. I don't care. I love it. Yes, we talked earlier about it. And Kiwi was waiting for it. I really hope you understand me, of course. So, here we go. Again. This one is done. So I have until 1550? Yes, 1550. If I in is English, does it mean it's on for French? What? Okay, so what's next? How do you say Atelier Maboule? Do you know? Inculturate.jpg. Fuck off. Kiwi is in 4th and he's 14. And he's going to be so much better at school now if you teach him, Tony Hub. Yes. Crazy workshop. Yes. Yeah. Yeah. Tan 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 tan. Okay, so first stage. And already a boule. Boule relou. Do you know the boule relou? Look. Yes, I know. How? Oh, yes, yes. Yes, it's me. Panneau d'affichage. If you want to ride this starred ball, listen to me. So first of all, jump on the boule. Very well, you're in position. Now, your ZZ mode has to be erected like this. Erected and hard. Here. Consider this position like your starting position. From this position. Just incline. Incline to move. By pressing A, you can jump and smash the enemies. But trêve of blabla, it is time to use your ZZ mode. Let's play. Refrain to say anything. Sweat intensify. Of course. Ah!
I really love to smash the enemies with my big bull. Did you know that in French, to smash someone with your bull is called biffler. Yes. We've done better before. I'm disappointed. I think I'll have to order a new John Michael today. That's because there's not enough people right now. You shouldn't do it when I start the stream. Lame excuse. Yours, the lame excuse. The most important viewer is here. And that's Kiwi. But as you can see, he doesn't talk anymore. He's afraid. Where is it? Is it here? Is it not here? That's here. Parapapapam. Where are you? Yes. Okay. Let's have some fun. I love to play with my Zizimote. Mario! Mario! Don't make the con. Thank you, Mario. Tilactonium. For real. You can see I'm a deep shit. I'm in deep shit. And you ask for a Tilactonium. I don't have the time. My esprit. What? Bum ba da ba ba bum. I mean deep shit. Yes. English is so cool. So, what you're waiting for? Pam 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 pam. Yes, pam 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 is the same as in English. So, T like Tony Hob. T comme Tony Hob. The first step is acknowledgement. What? Acknowledgement. Thing is, if I were to be on sick leave for a while, I'd have time to play video games again. Because when I watch you, I want to play again. Of course you want to play. Yes.
a letter addressed to the young Luma has come. My dear little Luma. Shit. I don't know that one. Oui, yes, oui. How do you say faire du souci? Faire du souci. We are we worry about you. Of course we do. We worry about you. But we know that you are in good hands. You're in good hands. Of course. May the object enclosed to this letter. Salutaire. Non mais salutaire. Be helpful. And may the stars protect you. Yes, thank you. Wow! 50 shards of grey. I'm close to this letter. I hope to meet this generous donator one day. Yes, yes. Yes, you're so good. Proud of you. Thank you. Can I be one of your students? Do you think I can be one of your students? Ah! A block tic tac. I already did it. We did it, Reddit. Yes. Why can't I find a BF who's fluent? I'm not fluent. Point. Il est où? Where is he? Sorry. The booze won't do anything. Just be careful not to to look at them in the eyes. Never. What? Wahoo! Kiwi the keys, don't think in French. Nous faisons, impossible de dire. Oui, we do. Yes, oui, we do. Oh yeah, oui, we do. Ok. I've got it. So cute. Hop, 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 hop. Wee.
That was ballsy. Wet, 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 wet. Okay, so. Non. AFK, but not far. Gotta cook my lunch. Be right back. Shower time. And it's the end of the Jean-Michel à vous. C'est bon, je peux reparler français. Donc oui, ça y est. Salut YouTube, hein, si tu ne parles pas anglais, évidemment, c'est apparu bizarre, mais voilà, il y a des Jean-Michel à vous en stream. Et on m'oblige à parler anglais. Ils sont vraiment méchants. Hein. Ils sont méchants. Hein. Oh, une comète farceuse, super, super. Mais l'autre, il a des enveloppes, il sait plus quoi faire là, le... Le taux de facteur. Donc il n'y a plus personne dans le chat, tout le monde s'est barré. Voilà, tout le monde a attendu que je termine mon ma partie en anglais, et tout le monde s'est barré. La tarte est partie s'astiquer dans la douche. Gigit est partie se faire à manger. Heureusement, il y a Kiwi qui est encore là, et qui maintenant me comprend mieux, évidemment. On peut demander quoi quand on met un Jean-Michel à vous? Bah à peu près tout ce que vous voulez quoi, tant que c'est pas un truc... Il n'y a pas eu de... Faut que je me dépêche. Il n'y a pas eu... Je vais y arriver, hein, désolé. Ah, c'est la partie rouge. C'est dans la partie rouge, ok. La clé, elle est là. Elle est là. Et souvent... que des trucs que je sais faire, évidemment. Hein, vu que je ne sais pas parler allemand. Et si vous me disiez de parler allemand, ça ressemblerait à un sketch... de Michel Leb, donc c'est pas ouf. Ça serait même bien de la merde, il faut l'avouer. Mais non, ça peut être par exemple choisir quelque chose dans un jeu, enfin voilà. Ça peut être un peu tout. Je peux considérer que ça n'a rien à faire là et que j'ai pas ou que j'ai pas envie de le faire. Et dans ce cas-là, je peux le refuser. Je suis encore dictateur sur mon stream. Merde. Voilà, si je faisais gaffe. Donc voilà, il n'y a pas trop de... Coucou, Chrisou. J'ai rien à faire là. Comment ça, t'as rien à faire là? Allez vite. Je peux considérer que ça n'a rien à faire là. Mais c'était pas pour toi. Je savais même pas que t'étais là encore. Ok. Gadi, il m'attaque même pas. Allez, plus qu'une minute. Let's go, let's go. C'est dégueulasse, ça continue à défiler, là. Olé, 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 olé. Ah, ah.
Mais vas-y, arrête de faire le con. Putain, je vais crever là. Non mais non. Putain de merde. Oh la Zizimota la con, elle me fait chier. Bah non, j'ai pas le temps. Oh putain. Si vous commencez pas bien la Zizimote en l'air, et bien après tout est décalé. Elle doit se calibrer en fait et du coup c'est la merde. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il fait? Chiant. Comment tu vas, Chrisou? Tu ne stream pas aujourd'hui? Bah écoute, ça va. Petit Diablo 2 ce matin. J'ai terminé l'acte 1 dans Diablo 2 ce matin. Et puis voilà. Du Mario Galaxy, comme tu peux le constater cet après-midi. Andariel, ouais, Andariel a pris cher quand même. Allez Mario, déconne pas. Ah c'est Mario, je me disais que Debio avait changé. Mais oui, regarde c'est Mario, regarde c'est Chris Pratt. C'est Chris Pratt, évidemment tu le reconnais pas. Ouais, Chrisou joue à Diablo 2. On a essayé de jouer à la sortie du jeu, enfin, à la sortie de Resurrected. On a essayé de jouer, mais on s'est fait éjecter au bout de 45 minutes. Parce que Blizzard ne sait pas gérer des jeux. Bravo à eux, hein. Bravo Blizzard. Pourquoi vous jouez pas ensemble au coop? Parce qu'on l'a fait en fait. Enfin, on va le refaire, hein, mais. C'est juste que t'étais pas là en fait. Et que. On stream. Enfin, on est deux personnes différentes. Et on n'a pas forcément les mêmes dispo au même moment, quoi. Donc de temps en temps, voilà. On jouera en coop, mais. On fait aussi du solo. Ta-da-da-da. Dans l'au-delà, est-ce qu'il va falloir le faire vite? Est-ce que ça va être ça? Ah non, d'accord, c'est avec. Oh non! Et Scott Pilgrim, ouais. On fait Scott Pilgrim aussi. Ouais. C'est vrai que les vies reviennent à zéro à chaque fois, quoi. C'est d'un chiant, ça. Je suis pas énervé. Thank you.
peut leur faire ça à eux? Oh, mais je me rappelais pas. Je me rappelais tellement pas qu'on pouvait faire ça. Regardez. Hop. Pam 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 pam. Ram. Oh mais il y a tellement de... Il y a tellement d'étoiles quoi. Je suis à 42 quoi. Il me reste plus que 200. Il me reste plus que 200 étoiles. Facile. Non, faut que j'aille dans le tuyau. Mais non, mais... C'est pas du tout ce que j'ai demandé, Mario, là. Non, mais il y a des tuyaux dans l'espace, quoi. Vraiment, moi, ça me choque, hein. Les tuyaux dans l'espace, là, je les comprends pas. Hein. Comment c'est-il possible? Est-ce que c'est ça qu'on appelle des trous de verre? Un boss? Ouais. Yes, Yoshi. Yoshi. Ah merde. Super rigolo. On s'amuse. Ok, bon ça c'est fait. Allez, go. Merde, faut sauter. Oh, Chris Weezer. On parlait du film Mario. Non, c'est juste... J'ai juste évoqué le film Mario. Mais on n'en parlait pas vraiment. Jack Black, non mais il va être un, il va faire un Bowser insupportable, Jack Black. Jack Black est cool, hein, mais... Mais Bowser va être un sup, quoi. Je sais pas ce que ça va donner, pourquoi. On est un peu d'accord là-dessus. Allô? Non! J'ai eu ça, j'ai eu ça. Vas-y, non mais casse-toi, 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 casse-toi. Voilà, tu t'en fous. Hop, let's go. C'est donc ça Outcast 2? Non.
Comment tu vas, Red Bull? Et donc, t'avais pas vu? Enfin, je te dis ça comme si c'était évident. Moi, j'ai vu parce que Silent Genius était venu pendant un stream en me disant « Eh, t'as vu, il y a Outcast 2, ça y est, il y a le trailer. » Et je savais pas. Enfin, elle m'a dit ça au moment où ça sortait, quoi. Et donc, je suis allé voir après. Et en plus, voilà, en ce moment, je me suis éclaté sur Horizon. Et donc, Outcast 2, ça a vraiment l'air d'être du Horizon, mais dans l'univers d'Outcast, quoi. Et ça a l'air d'être... Mais bon, une fixe entre Patrick Poivet, ouais, bah ça, évidemment que... On ne pourra pas la voir. Mais je savais pas que t'aimais bien Outcast. Tu vois. Donc ça me fait plaisir d'avoir un camarade qui aime Outcast. J'ai fait l'original il y a longtemps. Et bah pareil. J'ai fait, en fait, moi j'ai fait Outcast à l'époque, quand il est sorti. J'avais kiffé le jeu. Mais vraiment, j'avais kiffé le jeu qui mettait à genoux mon Pentium 2 400 MHz. mais j'avais adoré le jeu et je l'ai refait en stream en début d'année. La version 1.1, donc pas le remake, pas Outcast Second Contact. Mais j'ai refait Outcast 1.1, quoi. Et c'est marchand de mort, là. Mais ouais. Et donc voilà, je suis ravi qu'il y ait du Outcast 2. J'avais Kickstarter, il y avait eu un Kickstarter en fait sur le 2, et j'avais kickstarté, le Kickstarter s'était arrêté avant la fin. Et le bêtisier du jeu, oui, à la fin, dans les crédits, c'était rigolo. Non mais il y avait tellement de bonnes idées dans ce truc là quoi. Déjà un monde ouvert à l'époque où le jeu est sorti, c'était déjà ouf quoi, enfin... Mais ouais non, c'est vraiment un des jeux, alors ça vieillit par contre hein. Ah bah les musiques, c'est Orchestre Symphonique de Moscou, quoi. C'est pas n'importe quoi, quoi. C'est l'OST est dispo d'ailleurs sur Spotify. Et je m'appelle du premier air de Chant d'Éternat, c'est rigolo. Et ouais, l'OST est dispo sur Spotify et je me l'écoute de temps en temps. Elle est vraiment chouette. Mais par contre, ouais, le gameplay a vieilli. Hein, le Outcast 1.1, il jouait, y a des bugs et tout. Des fois, je me suis pris un peu la tête. Mais l'histoire est sympa. Vraiment tout est encore cool quoi. Désolé, j'ai un peu bavé. Le voxel a mal vieilli. Eh bah... Ah oui, alors le voxel a vieilli, ça on est d'accord. Mais ça va encore. C'est plus au niveau du gameplay quoi. Les projectiles par exemple de ton arme qui sont subsoniques. les projectiles qui vont à peu près à je sais pas, à 6 km/h. Ils vont pas vite, ça va pas vite. Hein. Tu n'abandonnes jamais toi? Super, ça va être une joie de t'écrabouiller, bien à l'aise, dans mon cockpit. Alors, patatarte. Merci, alors tu n'es pas là peut-être, mais si tu es là, patatarte, merci de ne pas traduire cockpit. Merci. C'est une feature. Bah clairement, enfin le jeu est fait pour ça quoi, mais c'est chiant quoi. Alors tu veux la super étoile? Viens donc la chercher, mais pour ça, il faudra battre mon robot marteau. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ça me fait aller de l'autre côté, d'accord. Ah oui, ok! Ah ouais, non mais easy. Nickel. Impec, franchement, mec, j'aurais pas rêvé mieux, hein. Viens, tourne-toi. Mais tourne-toi. Mais tourne-toi.
Vas-y, vous faire maintenant. Ah oui, d'accord. Ok. Bon. Là, je suis déçu. Je suis déçu. Peterface, il soit douche, il s'occupe justement de son cockpit. Patard qui vend une superbe Radeon 6900 XT pour la modique somme de 1100€ d'ailleurs. Ouais, bah je sais, il a déjà essayé de me la refourguer plein de fois. Moi j'ai voulu qu'il me la donne. J'ai voulu qu'il me la donne gratos. C'était facile? Bah ouais, c'était facile. Enfin, je me suis même pas fait toucher quoi. J'ai même pas été prêt de me faire toucher quoi, c'est un peu déçu quoi. Gratos pour la beauté du streamer, c'est ça? Pour Ah merde. Merde. Chut. Il disait plus rien. Chut. Il est revenu. Chut. Comment tu vas, patatarte? On parlait absolument pas de toi. Tout propre, je reviens de la douche. J'ai l'historique des messages. Oui, mais tu n'as pas l'historique de ce que j'ai dit pendant que tu étais pas là. Voilà. Tu vois, par exemple, au moment où Red Bull a fait ah 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 ah, et Chrisou après a fait un kappa, et Red Bull a refait un kappa, tu vois, là tu n'as pas le contexte. T'as bien travaillé, Moussaillon. C'est la troisième super étoile. Bon, au moins, on sait que ce pirate de Bowser se trouve toujours quelque part dans le cosmos. Alors, il se trouve quelque part dans le cosmos. Ah bah oui, bah en même temps, tu veux qu'il soit où? En dehors de l'univers connu? Bravo, hein. J'ai une compréhension pas de la tarte, me faudra traducteur. Ah, mais je sors de la douche aussi. Coïncidence, je ne crois pas. Est-ce que vous vous êtes croisé dans la douche? C'est ça le truc. Par si je vois la douche, c'est justement de sa fausse habite. Ah merde. Ouais, bon, ça parlait cockpit, et j'ai dit, patatarde, si tu es là, ne traduis pas cockpit, merci. Voilà. En route pour un nouveau monde, petit mousse. C'est bon, les petits mousses. Il a voulu te censurer, j'ai pris le relais. Shit. Putain, même mes meilleurs potes, vous vous rendez compte? Mes meilleurs potes me trahissent sur mon stream, quoi. Quelle indignité. Quelle indignité. C'est honteux. Quelle indignité. C'est quelle indignité. C'est quelle indignité. Quelle indignité. Quelle indignité. C'est quelle indignité. C'est honteux. Vraiment. On a déjà fait un sacré bout de chemin et tout ça grâce à tes efforts, petit mousse. Continue de suivre ta bonne étoile. Ah bah encore un qui veut. Oh, voilà. Et voilà, ça veut encore m'arnaquer là. C'est ouf. L'arnaque, hein. Regardez. Ah là là, tiens, on dirait bien que t'as trouvé un goinfre Luma. Il te porte bien son nom, regarde tes éclats. Titi. Et toi, mon copain, t'as de la drogue pour moi? J'ai faim, je veux de la drogue. Si j'en avale 1200, je me transforme. Ah voilà, je suis repu. Attention les yeux. Transformation! D'ailleurs, des boules, c'est pas hors de prix, ma carte graphique. Et 25 de fils de pute. Comment ça? Pourquoi tu dis des mots comme ça, là? C'est ok, non, j'ai payé 27€ pour Vanda en chronopost. Mais une 6900. Mais. Ah, un fils de patate. Désolé, c'est fils de patate. Bah oui, forcément. Tu veux envoyer tes enfants? Ah bah à chaque fois que je vois FDP pour les frais de port, c'est hallucinant. Hein. Je suis Kieblo. Alors ne dites évidemment pas fils de pute, c'est pas une insulte. Hein. Récompense. Oui. Super, merci les abeilles. Une vie, waouh, super. Super, hein.
Mais ouais, une 6900 à 1100, franchement, ça me... Je la trouve pas chère, en fait. Elles sont à combien, neuves, actuellement? Elles sont pas à ce prix-là. Parce que moi, j'ai regardé... J'ai une 5600 XT. Et les gens, en ce moment, sur Le Bon Coin... Alors, peut-être qu'ils les vendent pas, hein. Mais les gens les mettent à 500 balles. Alors que 500 balles, c'est le prix d'une, d'une 6600 neuve. 1009, mais c'est une normale de la boutique AMD. Fils de patate, c'est au-dessus du game. Ah, en même temps, c'est le fils de patate tarte, ouais. Tu sais quoi, patate tarte? Si j'étais riche, je te l'achèterais. En mystère. Non mais ceux qui ont déjà du hardware de qualité, ils croient que les vendeurs vont brader leur matos. Ouais, non. Je crois qu'ils hallucinent un peu. Hein, Moi ça me fait halluciner hein, de voir les 5600 au même prix que les 6600. J'ai vendu ma 3080 à Crissou pour 1000 balles en pleine pénurie. On m'a traité de taliban. Alors moi j'avais tendance à filer mon matos avant. Avant mon matériel, je le donnais. J'allais sur le forum de hardware.fr et je disais je vous file du matos, j'en ai marre. Ça traîne chez moi, ça sert à rien. Et les gens étaient toujours étonnés. Et maintenant j'ai tendance à vendre, mais j'ai tendance à vendre pas cher en fait. Et ça part très vite quoi. Quand j'ai du matos, je vends... Oh regardez, c'est trop mignon, c'est des biscuits. C'est des petits biscuits partout. Ah, attendez. Oh non, me dis pas. Ah, j'ai vraiment cru que je m'étais fait avoir. Bon coin, j'ai 9 messages pour acheter ma 6900 depuis hier. Mais les gens écrivent mal. On peut noter sur le profil, alors je suis pas chaud. Ouais, non, évite. Clairement, évite. Hein. Vaut mieux quelqu'un de sérieux. Vaut mieux quelqu'un, ouais, à la limite, qui répond pas aussitôt, qui négocie un tout petit peu. Mais où tu sais, tu vas pas te faire arnaquer. Plutôt quelqu'un qui te la met à l'envers, quoi. Merde, mais que fait-il? Que fait-il? Il irait bouffe. Salut le poussin rouge, comment tu vas? Je sais pas où je vais, je sais pas ce que je fais. Merde, c'est pas par là. Non!
épuisé et tout. Bah, ça va. Ah! Ah oui, tiens, il y a un os qui est revenu. Merci. Merci, Genius. Merci beaucoup. Et oui, non, moi, ça va. Je suis désolé que toi, ça n'aille pas, du coup. Attendez. Attendez, pourquoi? Genre, j'avais pas sauté dessus le premier. Qu'est-ce que je fous? Ah là là, des fois, je me demande... Ah, il s'en va? Ah, ça lui fait peur quand je suis Mario, en fait. Par contre, quand je suis Luigi... bisous. D'accord. Voilà, chacun ses kinks. Ah, mais oui, bah évidemment. Voilà pourquoi ça n'a pas marché tout à l'heure. Je pense que j'ai fait une connerie du genre en fait. Voilà. Là tout de suite c'est mieux hein. Voilà, je me moque dans mon salon, je le confesse. C'est pas très gentil, hein. Voilà. Alors. Hop. Pam pam, pam 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 pam. Ram. Allez, je vais me chercher du thé, je reviens. Oh les cris de vieux là qui s'assoient. Hein. en même temps, j'ai marqué le but de la victoire de la 91e minute à la 91e minute et le résultat est de 3-2. Bah, GG, bravo à toi. C'était, t'avais un match ce matin ou tu viens de rentrer? Ouais, je peux comprendre du coup que ça t'est claqué. Ou FIFA, FIFA 22, non, je pense pas. Je te suis pas, t'es footballeur pro, non. Un match de foot. Il fait du foot, le poussin rouge. Pour les ceux qui ne savent pas. Fruits et biscuits. Caramel et chocolat. Il est UB14. Quoi? C'est pas ça? Je connais pas non plus. Voilà. T'es pas toute seule, Gigit. Moi non plus, je sais pas ce que c'est. Du 16, du 17, je ne sais pas du tout ce que c'est. Être une tanche, par contre, je sais. Ça, par contre, je sais. Ça, j'avoue, je sais ce que c'est. Ok, donc c'est under 16, 17, quoi. Catégorie d'âge. Que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Je sais plus si on peut les tuer ou pas. A priori, non. Pam pam pam. Padapapadapadapadam. Padapapadapam. Padapapadapadapadam, padapapadapam.
Hop, 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 hop. Merde. Bon bah on va refaire, c'est pas grave. Cours. Ah c'est là qu'on apprend normalement à faire le long jump, d'accord. Ouais, c'est assez évident qu'il y allait avoir quelque chose au-dessus. Évidemment. Par contre, est-ce que je peux retomber de manière safe? Oui. Ah, un. C'est un bébou aussi. Ouais. Et de 1. Et de 2. Et 2-3. Bah les footballeurs de 16 à 17. Bah ouais, quand jamais on regarde un match et qu'on a pas de gosses proches qui font du sport, on va s'obscurer. Ouais, non, je suis d'accord. C'est pour toi évidemment ça te paraît évident le poussin rouge, mais voilà. Avec, avec Gigit, on est child free. Donc enfin moi c'est encore pire parce que elle est en contact avec des gosses régulièrement. Moi même pas. Mais donc c'est pas si évident que ça quoi. Quand on s'intéresse pas au foot, quand on s'intéresse pas aux gamins. finalement non c'est pas si évident que ça. Hein. Ah ouais d'accord. Oh là là, regardez. Oh là là, regardez ce skill, quoi. Est-ce que vous êtes pas impressionné? C'est quoi les gosses? Bah... Osted Kales. Qu'est-ce que c'est que les gosses? Non. Là, merci. Ouais, je me suis pas fait avoir, regardez. Oh là là! Oh la petite planète, elle est trop choupie! Comment c'est mignon? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait un truc mignon chez Nintendo, là? Ils sont pas bien ou quoi? Alors. Les minima en taille mais maxi en souci. Genius. C'est un match en poule. Ils sont déguisés en poule en plus, on comprend là. Voilà, première et deuxième place. On a fini premier du coup. Hein. Okay. Des réserves de dons d'organes pour les vieux jours. Ah bravo hein. C'est pas faux, mais bravo. Air comme Rabia. Pa-da-pa-da-pa-pa-da-p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 a-
C'est quelle division? Oh regardez, vous avez vu comment je suis fort en foot? C'est quelle division? Ah c'est ça, c'est une division ça. Je sais pas moi, peut-être qu'il y a les U16, U17 en national, mais il y a le U16 et U17 en régional, j'en sais rien moi. Non? Il n'y a pas de régional, national, Ligue des Champions, U16, U17, j'en sais rien moi, là ça a l'air d'être un âge, ça a pas l'air d'être une... Oh là là, bon, démerdez-vous. Division euclidienne. T'as le droit, attends, t'as le droit au deuxième, pâte à tarte. Voilà, t'as le droit au deux, là. Là, pour ça, t'as eu le droit au deux. Hein. Euclidienne, je la comprends pas, donc non. Oh, une comète farceuse, regardez. Qu'est-ce qu'on va rigoler. On va bien s'amuser. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller vite? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire comme What? Attendez, je le refais. Je l'avais pas encore fait sur Galaxy 2 ça. Attention, il y a une alerte. Une comète farceuse. C'est chiant ou pas? Est-ce que c'est chiant? Et la phrase de boomer du jour, n'oubliez pas que les arbitres sont des humains avant tout. Hein? Ah bon? À partir de régional, c'est une division, mais nous on est en champion. Champions League, U16, U17. Ça va être dur dès que les 8e, mais on pourra gagner. Ok. Toi tu dis pièce violette, toi. Il connaît le jeu par cœur, le mec. Putain, le mec il connaît le jeu par cœur, quoi. Par cœur le jeu. Biscuit sec et pièce violette. C'était sûr. Non, ça aurait pu être faire le niveau de manière rapide. Ça m'aurait pas étonné que ce soit en mode fait le niveau rapidement quoi. Faut faire comment là? Comment faut faire? Alors là c'est il y a forcément un truc quoi mais attendez ouais. Attendez, là, y a la poire à lavement, là. Ouais, voilà. Là c'est bon. J'espère que le week-end soit bon. Farci plutôt. Ah quoi? Ah la comète farci. Ah oui d'accord ok. Ça y est je l'ai. J'ai annulé mon week-end aussi épuisé. Je verrai personne flemme. Et puis mon corps proteste. On veut plus de manger. Du coup, c'est pièce violette et faut aller vite. Ouais, non, mais y a pas de chrono.
La poire à l'avant, c'est pour Yoshi. Ah là 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 là. Et évidemment, j'ai dit le mot. Évidemment, j'ai dit le mot interdit là. Ils arrivent tous. Eh bien, c'est pour les deux. Pourquoi il faudrait que ça soit l'un ou l'autre? Ha! Oh là 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 là! Hop! Attendez. Attention, on a des enfants ici. Ouais, non, bah ils ont pas le droit. Hein. Ah, le stream est marqué pour les plus de 18. Donc, on les a prévenus. Maintenant, ils savent. Moi, j'ai un prévu, mais le mec marié que j'avais vu une fois m'a proposé de passer chez lui quand son gosse et sa femme sont pas là. C'est cringe. J'ai dit non. Putain, c'est grave. C'est un peu bof, ouais. À propos de poire à lavement, faudrait que je te parle par date. Non mais pourquoi? Pourquoi on parle toujours de ces sujets quand je joue à Mario? Je vais encore me faire banner sur YouTube. YouTube, il va encore me banner en me disant non mais Tony Hobb. Non mais Tony Hobb. YouTube, ils vont arriver, ils vont me dire Tony Hobb. Vraiment. Arrête ces sujets quand tu joues à Mario. Là, on peut plus. On est obligé de banner toutes tes vidéos. Arrête. Parle de ça quand tu joues à un jeu violent ou un truc. Mais pas Mario Galaxy, quoi. Arrête. Donc on disait poire à lavement. Pour les deux. Et genre, ils se la passent comme ça. C'est pas Covid friendly, hein. Attends que tu la mets pas dans la bouche, c'est ok. Mon corps dit mollo, tendinite et boutons de fièvre. Je vends du rêve sur le jogging, la gueule en vrac là. Eh, il fait. Pourquoi il fait bon comme ça aujourd'hui? Il faisait moins 12 ce matin quand je me suis levé. Et là, il fait 24 quoi, c'est ouf. Sur le Karcher, besoin d'aide. Oh là là. Si madame le sait, ça fait pas cringer. Ah si. Ah si, attends. Attends que mon gosse et ma femme se barrent. C'est. Même si elle est au courant, elle sait pas du tout. Et en plus, il y a un gosse, quoi, donc ouais, non, si elle est pas au courant, mais même sinon, viens à la maison quand ma femme et mon gosse viennent de se barrer. Il faisait moins 12, ouais. Mais peut-être même qu'il faisait moins 8000. À peu près. En ressenti, hein. En ressenti. Moins 8000. Pam, pam, pam. Ah bah, regardez. Re un patatart farceur, regardez. Et, allez mon gars, on compte tout sur toi, mais on va rien faire. Ah bah écoute, merci hein. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que personne m'aide. Bon, ça va être quoi là du coup? La comète farcie, ça va être quoi? Ah mais j'ai pas utilisé... Mais non, mais j'ai pas fait la comète farcie, là. Je suis qu'un con. Je suis allé sur l'autre. Kekonio. Ça veut dire qu'il y a une étoile secrète dans le coin, quoi. Tout est démesuré ici, fais très attention. D'accord, c'est juste pour me dire ça, merci, bravo à toi. Tan tan tan. Oh, il est mort direct, quoi. C'est une comète chrono, je dirais. On verra après, une fois que j'aurai réussi à...
à aller sur la comète pour de vrai. Je vous jure, non mais... Je vais pas sur le bon truc, quoi. Chez Crétine. Attendez, y'a pas une connerie? Mais rentre! Merci. Non, y'a pas ça. Pas l'air de ça non plus. Peut-être que la télé peut me dire un truc? Astuce. En courant, maintiens hein, pour faire un saut en longueur. Bonne chance! D'accord, c'est juste pour me dire ça. Alors, qu'est-ce que vous disiez? Team Herpes, ouais. Tu crois savoir où aller? Ok, bah je te demanderai si jamais je la vois pas, je te demanderai. Moi, après avoir fait une balade et que j'étais crevé, j'ai aidé une vieille dame à porter son sac de course et jeter un œil aux vides maisons dans ma ville. Du coup, beaucoup de choses, plus fatigue, plus mal de dos. Un demain, c'était YOLO. Coucou, c'est moi ton bouton de fièvre. Sympa le système immunitaire. Merci à lui. Et en plus t'as rien acheté dans les vides maisons, c'était de la merde. Souvent les vides maisons c'est pas ouf ouf. Hein. Coucou Johanna. Est-ce que tu as le son aujourd'hui Johanna? En plus t'as une infection urinaire, ah bah... La totale. Est-ce qu'on peut avoir les trois comme ça? Ah non, dommage. Je pense qu'il y a moyen de les avoir si vraiment on est très précis. Il y a probablement moyen de faire un truc. Aïe, non mais non. Arrête. C'est par là? Une fois j'ai fait un vide maison et trouvé deux très chouettes vases et du papier aquarelle neuf qui vaut 90 balles en boutique pour un total de 20 euros, j'étais content. Ouais non mais j'imagine qu'on doit pouvoir faire des bonnes affaires de temps en temps mais la plupart du temps c'est quand même des barrages, enfin la plupart du temps c'est des personnes décédées et la maison faut la vider quoi. Alors je dis pas que c'est à chaque fois mais la plupart du temps, enfin de ce que je vois moi, dans les vides maisons c'est... On veut juste vider la maison de la grand-mère, quoi, et derrière, il reste pas grand-chose, quoi. Ouais, je suis plus mal, j'avoue, c'est pour ça qu'on voulait m'arrêter et que je fasse pas l'année. Mais va falloir que tu y songes quand même. Je vais pas te faire la morale comme ça en stream, mais faudrait quand même que tu y penses. Un des deux vases, un tampon japonais dessous, il est très beau. Oh, c'est rigolo.
suis têtu. Voilà, bah voilà, je suis têtu, je veux bosser. J'ai une vieille photo des vases. Je vais la mettre sur le Discord. Yes, bah vas-y, ouais. J'adore les vide-greniers. J'ai vu des photos d'un vide-grenier à côté de chez toi, Tonium. Même. J'ai pas l'énergie pour y aller, ok. C'est nul. Celui-là, Canapville. Ah. Oui, oui. On a une ville qui s'appelle Canapville à côté de chez nous. Oh, il y avait... Voilà. Je pense que c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, mais je pense qu'il fallait faire le niveau au moins une fois pour l'avoir. Parce que là, c'est étrange. Ça doit être sympa de prendre l'apéro à Canapville. Et on a... Et on a aussi une ville qui s'appelle Buzzville. Ah, ça doit être sympa de fumer là-bas aussi. Tu dirais une comète chrono, toi. Eh ben, on va aller voir ça tout de suite. Enfin, s'il y a encore, d'ailleurs. Ouais, il y a toujours. C'est tellement mieux fait, les comètes, dans Galaxy 2, quoi. Contrôle la montre. Effectivement. Effectivement. Eh bien, c'est y part. Chaud là, ouais, non, j'ai perdu du temps là. Allez, on est reparti. Allez, avance. Eh, juste coup ma zizimote, vas-y! Tu peux le faire! Yes. Allez, Poussin, il est crevé, mais il est doué. Hein. Oh non! Oh yes! Allez Mario, grimpe! Bravo! First try, GG!
C'est bizarre parce qu'il y a des, il y a des étoiles comme celle-là, là. J'ai le souvenir d'avoir galéré. Et puis, en fait, là, pas du tout, quoi. Menchato, je parie que tu veux que c'est chrono. Maybe. En même temps, le château, c'est soit chrono, soit ne pas se faire toucher, je pense. Il peut y avoir les pièces violettes aussi, remarque. Bon, j'en sais rien. Ah oui, c'est vrai, c'est les fameux... C'est les animaux, là. Moi, j'aime bien les animaux. C'est les animaux ou pour les tabasser. Merde, j'ai fait l'inverse. J'ai pas tiré dans le bon sens. Et je fais ça, hop, hop. Clapant. Faut être derrière. Genre là. Et hop, après on les retourne. Ouais, ouais, c'est ça. Attendez, non, je vais peut-être prendre la pièce parce que si jamais on... Merde. Si jamais on trouve un... On parie quoi ? Rien du tout. Bah rien du tout parce que toi t'as accès potentiellement si tu veux à une soluce là. Merde. Ah, j'ai peur. Maman, j'ai peur. Aïe. Hop là. Est-ce que je peux faire ça? Non, marche pas. J'ai tenté. Hein. Allez, je casse la gueule de tout le monde. Je peux tomber là ou pas? C'est là où il faut que je vais? Maybe. Ouais. C'est que les trucs que j'ai fait là? Attendez. C'est quoi ce truc là, là? Pourquoi j'aurais pas cassé le... Voilà. Je me disais pourquoi j'aurais pas cassé... La caisse. Fail. Super rigolo. Non. Thank you.
C'est chaud là. Ah, il va viser les ennemis là comme ça. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Désolé mon petit pote. Alors, ok, là on est bon. Mais Mario, dommage. Je vais les tuer. Je vais tous les tuer. Non bah c'est bon en fait, j'ai déjà... Qu'est-ce qu'il veut me dire lui? D'après mes observations, il faut la tirer sur une trappe puis charger. Clair non? Oui. C'est très clair. Oh regardez, fait dodo. Ah oui d'accord. Il est sur une trappe. Ah oui évidemment. Pédem. Ah. Fallait le savoir qui m'était Allô. Viens par là. Merde. C'est tout. Vomi. Vomi. Ah non. L'a pas vomi. L'a pas vomi. Pam pam. Pam 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 pam. Ok. Eh oui, je peux aller plus loin. Oh, qu'est-ce qu'il me veut encore, lui, là? Ah, une adresse. Une lettre adressée au jeune Luma est arrivée. Tiens, petit Luma, tu sens seul. Voilà. À chaque fois, c'est le même message. Ouais, non, mais ouais, les éclats, c'est bon, c'est ok. On a compris. Ah, re-Johanna! Un truc qui fait un bruit d'étoile. Hop.
Et sur ces... ces bonnes paroles que... une petite pause. Des bisous YouTube. À la prochaine. Bientôt à 50 étoiles, on est à 49. Hein. La prochaine, 50. Ça arrivait à un cinquième. Super.